Et on passe tout de suite à l'hebdo avec notre invité. Angelo Fribo, cela fait bientôt un an que vous êtes à la tête du Conseil économique et social. Quel est votre bilan? Oui, cela fait un an exactement. Et bon, le bilan de la société du Conseil économique et social, il faudrait mettre en trois phases. Il y a eu le premier gouvernement de Gaston Flos, le deuxième gouvernement d'Édouard Friche et nous-mêmes. Parce que le bilan, donc ce Conseil économique et social s'est réuni au moins 220 séances pour étudier, en commission interne, pour étudier les lois transmises par le premier gouvernement de Gaston Flos à hauteur de 12 lois de pays, d'Édouard Friche, 7 lois de pays qui est en cours actuellement, et nous-mêmes par 5 autosaisines. Donc, on peut dire que cette institution ne chôme pas. Hein. On est aussi à travailler pour la semaine prochaine sur 3 lois de pays que le gouvernement d'Edouard Fitch nous a transmis. Alors, le CEC n'a qu'un avis consultatif hein, sur les projets de loi du gouvernement, mais est-ce que vous êtes finalement entendu? Effectivement, on est entendu dans sa grande majorité. Il est vrai que on ne fait que transmettre notre avis, mais c'est un avis professionnel, contrairement à l'Assemblée. C'est l'avis politique, plus ou moins. Nous, lorsque une loi arrive au CESC, on décortique cette loi à rechercher les interprétations des articles de loi dans la réalité de son application sur le terrain. Donc c'est un avis professionnel qu'on donne. On en tient compte au moins? Oui, il faut lui dire, parce qu'on donne aussi un avis défavorable, mais on recommande à côté, c'est-à-dire que tel article ne nous convient pas, mais prenez ceci. Avant de poursuivre, voyons l'actualité marquante de la semaine avec d'abord le report de l'application du Code général des communes, un hebdo préparé par Éric Tama et Mania Pambrun. Un report de 10 ans pour réaliser la potabilité de l'eau, le traitement des déchets et l'assainissement dans les communes de Polynésie. La gestion des cimetières y est associée pour un délai de 6 ans. Ce report est urgent pour le Tahoeira car l'État, le pays et les communes n'ont pas pu déployer les moyens nécessaires à la mise aux normes. Il est temps de se mettre autour d'une table pour réfléchir justement aux moyens à donner aux Tahoeira pour que ceux-ci puissent accomplir les compétences qui sont imposées par la loi. C'est notre voiture, le bateau, donc il faut de l'essence. Sans essence, ben, on ne vit pas. Et à cause de la grève des hydrocarbures qui perdurent, il y a moins de fûts embarqués que prévu. Les particuliers comme les professionnels vont être touchés. Sur les 120 fûts commandés par la compagnie locale, à peine 18 ont pu être embarqués sur le Kura-Ora. En principe, 60 destinés à l'atoll de Makemo et 60 autres pour celui de Napuka. Monsieur le Premier ministre, lors de notre récente entrevue avec le président de la Polynésie française, M. Édouard Friche, vous nous aviez assuré de votre engagement à accompagner notre collectivité dans la réforme de son régime de solidarité. Vous pouvez dire au président Friche, qui est extrêmement, dont nous admirons le travail et le courage, que l'engagement sera tenu et que l'État sera au rendez-vous pour la Polynésie. La vie maintenant c'est trop cher. On n'a pas assez de fonds pour chercher le matériel. Comme c'est trop cher, tout a augmenté. L'électricité, l'eau, poubelle. Déjà le repas aussi, il faut serrer la ceinture pour bien profiter de la vie. Hein. Fort heureusement, Yann est un touche-à-tout. Il n'a qu'une hâte, remplacer les poteaux de sa maison, changer les contreplaqués par du neuf et cimenter le parterre. Il espère recevoir son matériel avant les fêtes de la Saint-Sylvestre. 100 jours après l'élection d'Édouard Friche au gouvernement, les partenaires sociaux dressent un bilan très partagé. Le patronat, et particulièrement le bâtiment et travaux publics, est très enthousiaste. Pour nous, c'est un bilan extrêmement positif. Parce que le dialogue aujourd'hui, il fonctionne. Les commerçants, eux, observent un chiffre d'affaires encore et toujours en chute libre. On ne voit aucun changement, parce que si on devait avoir un changement aujourd'hui, on devrait avoir une économie beaucoup plus florissante. Or, ce n'est pas le cas. Le président du pays, quant à lui, est satisfait des 100 jours de sa gouvernance.
N'oubliez pas non plus que nous sommes arrivés avec un budget qui était en gestation, donc nous l'avons bouclé ce budget. J'ai donné quelques priorités supplémentaires. Nous avons lancé, j'étais très soucieux que dans le domaine du bâtiment, nous lancions beaucoup d'opérations. Donc on va lancer le collège de Tefayuta. Angelo Frebo, une question d'ordre politique. D'abord, le patronat adresse un bilan plutôt positif des 100 jours d'Edouard Fritsch. Il parle d'un président très ouvert au dialogue. Et vous, membre du CEC, comment est-ce que vous décrirez vos relations avec le président Fritsch et son gouvernement? Il faut dire aussi qu'on représente la société civile. Donc, il est vrai qu'en trois mois et demi, que ce gouvernement est en place. Donc, il est bien. Il est juste de dire que le premier mois, on ne peut pas diriger le pays sans savoir ce qu'il y a. Hein? Et donc, si on cherche le bilan, il est vrai que le président, dans la continuité de l'ancien gouvernement, a maintenu et orienté ce qu'on appelle les contrats publics. Donc, avec le contrat de projet qui s'est mis en place ces derniers jours, dans ce domaine de pré-relance économique, c'est une avancée. En ce qui concerne les grands travaux, comme le Manabiche et ceci, cela, nous avons perdu un an. C'est la vision un peu de la société civile. Expliquez-vous un petit peu, vous avez perdu un an, c'est-à-dire? Un an qui veut dire qu'il ne s'est pas mis en place cette année. Il ne s'est pas mis en place. Il faut dire aussi que lorsque deux gouvernements se mettent en place, il y a rupture. Donc il faut bien que l'autre gouvernement s'adapte, voit quelle est la réalité, l'orientation et ceci. Là, on a perdu un an là-dessus. J'espère que l'année prochaine, dès les trois premiers mois, ce serait donc cette relance des grands travaux. Donc globalement, comment c'est positif pour vous C'est positif du côté de ce qu'on appelle le contrat public. Donc tout c'est avec le projet de contrat qui vient de se faire actuellement. Donc il y a ce qu'on appelle le maintien de l'activité. Maintenant, à ce que la relève soit reprise par la société civile, c'est les grands travaux. Et ça, on attend depuis X temps. Alors cette semaine, le projet de délibération concernant la révision du salaire du président a été refusé par le Tahoué A. Quelle est votre position par rapport à cela? Refusé par une commission. Hein. Bon, là-dessus, il est juste de payer le président à sa valeur. On ne peut pas payer un président inférieur à ses propres ministres, hein, qui d'ailleurs, ce n'est pas le salaire qui dirige le pays, c'est l'homme. Si l'homme mérite d'être payé, ça veut dire qu'il est en train de redresser l'économie de ce pays. Donc le salaire n'a pas trop d'importance là-dessus si un président est apte et nous amène ce pays sur le bon chemin. Parlons de l'aide à la rénovation de l'habitat à présent. Est-ce que, de votre point de vue, en matière de logement social, on l'a vu dans l'hebdo, le gouvernement déploie tous les moyens pour que les familles défavorisées puissent jouir d'un logement décent? Là, pour une vision de la société civile, le gouvernement doit s'occuper du social, un petit peu, vis-à-vis de son peuple. Là, le logement social, c'est depuis quelques années où il n'y a pas eu d'orientation ferme. Et là, on voit que ça commence à sortir. Ben là, d'un coup, il y a 220 logements qui vont se mettre en place dans un contrat de projet État-territoire. Au moins, il y a du positif qui se met en place. Alors, le code général des collectivités a été reporté parce que les communes, justement, ne sont pas prêtes à gérer les compétences qui leur sont imposées par la loi. Je parle justement de la gestion de l'eau potable, des déchets. C'est un sujet qui préoccupe le CSC. Bien sûr, parce que il faut dire aussi que la population attend depuis au moins 30 ans qu'il y ait de l'eau potable dans chaque commune. Et donc, cette dernière résolution a demandé le report le délai pour l'application de rendre de l'eau potable aux citoyens dans chaque commune est fondée sur la base budgétaire, car les communes ont des difficultés à prendre en compte ce délai imposé par la loi. Donc la demande du peuple, c'est d'avoir de l'eau potable. Donc par la suite, c'est aux communes de voir s'ils peuvent mettre des impôts ou des redevances sur cette eau potable à venir. Ça, c'est les compétences de la commune. Ça. Alors, une dernière question syndicaliste que vous êtes. La grève des hydrocarbures perdure depuis plus d'une semaine maintenant et risque fort de toucher les îles éloignées. Cette grève en pleine période de fête, est-elle justifiée?
brièvement. Oui, la demande des salariés est justifiée, car il faut bien comprendre que le pouvoir d'achat n'a pas évolué depuis 2008 en ce qui concerne le salaire de chaque salarié depuis 2008 jusqu'à donc 2014. Il faut dire que ce salaire, le pouvoir d'achat, est le poumon de l'économie de la société. Sans salaire, il n'y a pas d'impôt. Et sans impôt, il n'y a pas de politique. Et donc c'est avec le salaire qu'on fait tourner ce qu'on appelle cette économie de consommation. Donc si on ne fait qu'aider à aider les entreprises, certes, mais il ne faut pas oublier, c'est le salaire qui est le poumon de l'économie. Et c'est avec ce salaire-là qu'on amène à avoir une façon, un bien-être, de bien vivre et de consommer. C'est cette base que nous allons donc revendiquer pour l'année prochaine, cette ouverture à ce qu'on puisse prendre en compte le pouvoir d'achat. Angelo Frebo, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Marourou.